Je ne crois plus à la pertinence, comment dirais-je, du combat antiraciste qui n'est pas adossé à un projet social et un projet politique. Je veux dire par là que la force aujourd'hui de l'extrême droite, c'est qu'elle donne le sentiment bien souvent qu'elle apparaît dans le champ politique comme les seuls qui sont en capacité de changer les choses. Quand on aborde la question de l'Europe, pardon, voilà, je suis un peu radoteur, mais quand il y a un grand débat dans le pays en 2005, quelle que soit la position que l'on a les uns et les autres, sur le traité constitutionnel, c'était intéressant, un référendum, qu'à l'arrivée, il y a un vote qui est clair, au terme d'un débat dans lequel ce pays a vraiment discuté sur un sujet ardu, hein, que c'est le non qui l'emporte, mais que finalement le texte qui est rejeté est mis en place quelques mois plus tard, ça donne le sentiment, je prends cet aspect-là, pour beaucoup de gens, de, en fait, votre truc, ça avance, quel que soit ce qu'on dit, donc ça sert à rien d'aller voter. Un homme comme Gilbert Collard, pour parler de l'extrême droite, qui parade, lui, il est élu dans le triangulaire, il fait 20% du corps électoral. Et là, vous avez une situation extrêmement explosive, dans laquelle je donne ce sentiment qu'on partage tous, c'est que beaucoup de gens qui votent Front National aujourd'hui ont le sentiment que, avec eux, bah, ça va changer, qui est une caractéristique élémentaire, je dirais, à travers l'histoire de l'extrême droite, qui a toujours eu une silhouette, d'ailleurs, de force révolutionnaire et contestatrice de l'ordre établi. Il y a des gens qui découvrent parfois que le Front National a un discours un peu anticapitaliste et révolutionnaire. Mais pardon, c'est d'une grande banalité. À travers l'histoire, le fascisme, je dis de manière un peu singulière, mais ça a toujours été ça, hein, une force ni droite ni gauche, abat les juifs et les patrons. Enfin, je veux dire, c'est une caractéristique un peu de l'anticapitalisme propre, que ce soit le nazisme ou le fascisme italien. À observer toujours ce qu'ils disent. Ils disent beaucoup de choses qui peuvent ressembler à un discours de gauche, mais jamais cette question-là. Jamais ils ne sont pour, effectivement, un partage des richesses qui organise différemment, précisément, l'actuel, et qui, selon moi, permet qu'une politique sociale puisse être menée. 48 heures après la mort de ce Clément Méric, la tonalité médiatique était que, finalement, il ne l'avait pas volé, que c'est lui qui l'avait bien cherché, que c'est lui qui avait déclenché la bagarre. Et vous avez eu un Serge Ayoub, alias Batskin, invité par nombre de télé, ITL, BFM. J'ai vécu ça personnellement, j'ai été invité sur le plateau de télé juste après lui. Et quand j'ai dit au journaliste, mais pourquoi vous l'invitez, ce mec, c'est même pas le Front National, c'est un groupuscule, il m'a dit, il a le droit de donner son opinion, ça intéresse les gens de savoir quelle est son opinion. Moi, je défends un grand service public de la petite enfance. Service public, comme l'école. Parce qu'il y a un problème de plus en plus que nombre de crèches, qui est devenu indispensable en milieu urbain, sinon, généralement, c'est les femmes qui restent à la maison pour garder les gamins, bon, c'est confié à des associations, et qui sont souvent des associations confessionnelles. Moi, je ne suis pas d'accord, je suis élu de Paris, avec le fait que la ville de Paris, c'est un désaccord de fond que j'ai avec Bertrand Delanoë, verse chaque année 2,2 millions d'euros à des crèches confessionnelles Lubavitch. Idem, Babylou, eh bien moi, je suis pour, même si peut-être après, ce n'était pas écrit dans le règlement intérieur, etc., qu'on a le droit et qu'une présidente d'une association veuille faire une crèche laïque dans laquelle le personnel ne porte pas de signes religieux. Donc vous voyez, il y a des batailles. Donc comment défendre la laïcité aujourd'hui? Eh bien déjà en défendant la loi qui existe, et en la faisant comprendre, et en organisant des réunions peut-être pour expliquer en quoi elle garde une grande modernité. Voilà, j'en dis pas plus, merci de m'avoir écouté. Merci.